Ouais. Dès lors que Madungu est encore là, je ne peux pas rentrer. Parce que ou c'est moi qui ferai un crime quand je vais rentrer. Parce que ce gars-là, il a tué ma fille, hein, n'oublie pas. Madungu a tué, si tu envoies. Ah non, il demande à Lionel, il va te dire ça. Il a tué ma fille. Si tu vois dans quelle position on a retrouvé ma fille, aucun père ne peut accepter ça. Et Madungu, il a même signé sur la cuisse de ma fille, Vemad. J'ai fait arrêter les gars à Mouila là-bas. L'actuel Mundunga, qui est aussi un parent à moi, Mundunga a reçu des instructions de la compétition pour dire libère les gars. Donc les trois gars sont sortis. Après, ils ont reconnu le fait. Parce que ce sont eux qui étaient allés capturer ma fille la nuit. Et à la veille des élections de 2013, là, les élections locales, moi j'étais candidat. Ma fille avait déjà 18 ans, devait venir voter à Manchi. Donc j'envoie la voiture pour aller la prendre parce qu'elle avait fait inscrire aussi ses copines, ses camarades pour venir voter à Manchi. Le chauffeur va, il ne la trouve plus. Donc on l'avait déjà enlevée depuis 3, 4 jours, mais moi je ne savais pas parce que j'étais en pleine campagne et je faisais le tour du département. J'étais Alors au. Voilà. Donc c'est plus tard là, je vous maintenant. comprends. Après les élections se passent. On a pris le nouvel de l'enfant, j'ai dit ma fille n'a pas la petite fonction comme ça. Donc je démarre ma voiture avant d'entrer le bébé, je passe par Mouila. Et on casse maintenant on accède à la porte. On trouve, le téléphone était là. Le ventilateur tournait. Et moi, tout de suite, j'accède. Je suis un enquêteur, j'accède à cette communication. La dernière personne à avoir appelé. Et elle disait, non, ne forcez pas, ne passez pas, je ne veux pas marcher. Moi, je suis en train d'étudier. Donc, ils sont allés la prendre des forces. Et quand elle a laissé son téléphone, c'est qu'elle n'était pas consentante pour partir. Voilà, donc ils sont allés, ils ont cogné, machin, elle a ouvert, et à ce moment, ils l'ont kidnappée. Ils sont allés la tuer, ils ont jeté le corps derrière Makanga, ils ont dépecé tout ça. Choses définies. Voilà, donc maintenant, c'est 2 semaines plus tard, on retrouve le corps décomposé. On a même enterré, on n'a même pas maintenant mangé, le corps était décomposé. Et Voilà, Madungu, fallait voilà. l'enterrer assise. Elle Donc veut revenir. Madungu a Elle signé veut sur la accepter ça. cuisse. Voilà. Et après, j'ai appris ça, j'ai appelé Sébastien Toutoum qui était avec le président Bongo. Il me l'a passé. Sébastien n'est pas mort. J'ai dit, monsieur le président, votre conseiller a tué ma fille. Il faut que vous régliez ce problème. Il dit, il faut que tu viennes voir avec Mexan. J'ai dit, moi, je n'ai pas voir Mexan. Je sais que c'est Mexan qui était derrière. Franchement. Voilà. Et qu'est-ce que Mexan fait? Il m'envoie 50 millions avec Madungu, vous me remettre. J'ai trouvé ça comme une Franchement, moquerie. ça ramène la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, nos problèmes sont partis de là. Ils ont commencé ma chaîne. Il fallait m'éliminer, tout ça. Putain, c'est bon ça. Et je suis venu dans les difficultés. Donc, tu comprends que quand tu as fait le parcours qui a été le mien, tu ne peux pas prendre la décision de retour à la légère. Et surtout que Madungu, on l'a encore vu aux côtés de la femme du président de transition. Ce n'est pas sérieux. Ce gars-là doit être en prison. C'est un tueur. C'est reconnu de tous. Il y a de tous les éléments. J'avais mis ça à la disposition de la justice. Tout le Gabon, mais je n'avais jamais de preuves. Là, je vois un exemple palpable. Voilà. C'est plus typique. Donc, il est en liberté, mais tant qu'il sera en liberté, moi, je ne veux pas rentrer. Sinon, c'est moi qui viens avec mon revolver, j'ai là-bas. Après, on va dire que j'ai fait un crime. Parce qu'il nargue les gens. Il nargue les gens. Donc, il faut. Je veux bien. Brice a besoin de popularité, il a besoin d'un électorat, mais pas avec Madungu. Madungu, c'est un tueur. Il est reconnu comme tel dans le Gabon. Donc, mon premier point, c'est celui-là. J'ai un statut, je ne peux pas rentrer. Je verrai bien. Tu as vu que j'ai perdu maman, je l'ai enterré à distance. Ça va être facile. Pour nous, les hommes, nous sommes des matriarcats, on est plus attachés à nos mamans.